La trêve a fait du bien après les gros matchs du mois de janvier qui étaient quand même assez rapprochés. Ça a fait du bien, oui et non. On aimerait bien enchaîner parce que s'entraîner pour avoir deux matchs le week-end, c'est pas top. Parce que là du coup, au mois de février, ça va être, vous avez un calendrier un petit peu plus abordable par rapport au dernier match où vous avez quand même affronté la plupart des meilleures équipes du championnat. Qu'est-ce que ça change pour vous d'affronter des équipes qui sont plutôt dans votre championnat à vous, concurrents pour le maintien plutôt? Dans notre championnat, oui et non. Paris FC et le Paris SG, c'est pas passé très loin. Il n'y a pas un grand écart. Oui, elles sont au-dessus parce que ça fait des années qu'elles travaillent ensemble. Mais on n'est pas vraiment dans le bas de tableau du championnat. Mais ce qui fait un peu plus plaisir, c'est de se dire que quand on va jouer contre des équipes qui sont juste derrière nous, comme Rodez ou Soyo, c'est l'envie de garder la place devant elles et pas se faire rattraper. Justement, quel regard tu portes un petit peu sur l'équipe de Soyo qui est dernière du championnat? C'est une équipe qui est en D1, ça fait des années. Là, c'est limite le match de la survie contre nous. Donc elles vont venir avec les armes. Va pas falloir les prendre de haut, parce qu'on a fait de belles prestations quand même contre le PSG, si je reprends le dernier match. Et il faut pas aller confiante. Il ne va pas falloir prendre le match à la légère. C'est une équipe que vous avez battue assez largement au match aller. Tu avais marqué ton premier but d'ailleurs. Voilà, quelles sont un petit peu les qualités de cette équipe? Les qualités de cette équipe, elles ont leur attaquante qui est en D1 depuis des années, Laura Bourgoin. C'est une gardienne de D1. Ça fait des années qu'elle est en D1 avec leur capitaine qui connaît bien la D1. Ça va pas pour elle en ce moment. Pour nous non plus, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de points en championnat. Et puis Soyo, c'est une équipe qui a la culture du maintien aussi. Tous les ans, ils jouent pour ne pas descendre. Ils ont cette culture de se battre jusqu'à la dernière journée pour sauver leur place, eux aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire. Elles ont l'habitude de jouer avec le feu, si on peut dire ça. À chaque fois, elles sont rattrapées sur le gong, dernière journée, avant-dernière journée. Donc, de toute façon, elles viennent au stade Océane et vu qu'on n'aime pas perdre chez nous, il va falloir les accueillir avec nos armes et gagner le match. Que la victoire. En plus, là, vous avez plus que 6 points sur les relégables. Même si vous avez fait des bonnes prestations ces derniers temps, est-ce que peut-être il y a un peu une urgence de points? Et un match contre une équipe comme ça, c'est victoire un peu obligatoire. Les bonnes prestations, c'est bon pour le moral et tout ça, mais ça apporte rien du tout. On a beau faire des beaux matchs contre PFC ou Paris SG, s'il n'y a pas de points derrière, ça ne sert à rien, puisqu'on ne regarde que le nombre de points. Et là, contre Soyo, il ne va pas falloir perdre de points. Il va falloir gagner. Ouais, au-delà de ce match face à Soyo, il y a même le suivant. Là, vous allez jouer les deux dernières équipes du classement. Vous allez probablement pouvoir assurer votre maintien. Voilà, est-ce que c'est l'objectif, c'est de faire le plein de points? Parce qu'après, on sait que le calendrier va être un peu plus compliqué jusqu'à la fin de la saison. L'occasion, elle est belle d'assurer le maintien sur ces deux prochaines journées. Oui, que ce soit Soyo, Rodez ou même, je pense qu'il y a Guingamp aussi qui est derrière nous. Toutes les Dijon, ah oui, Guingamp, on les a déjà joués. Toutes les équipes qui sont derrière, il ne faut pas les laisser prendre deux points. Il ne faut pas qu'elles passent devant nous. Ça veut dire gagner tous les matchs contre les équipes qui sont derrière et essayer de gagner le plus de matchs possible après. Mais là, sur ces deux matchs, vous pouvez enclencher le maintien, le valider. Le valider, j'ai pas compté, mais prendre des 6 points, c'est obligatoire.